Nous sommes lundi 16 mars 2020. Alors on écrit la date ensemble. Lundi commence avec la lettre E. L, après L c'est 1 et 1 c'est U et N. Lundi, dit la lettre D avec I. Lundi. Lundi combien ? 16. Comment ça s'écrit 16 ? 1 et 6. 16. Quel mois ? Mars. Mars commence avec la lettre M. Après M, c'est A. Ma. Après, c'est la lettre R. Et à la fin, c'est la lettre S. Mars. Et l'année, c'est 2020. 2, 0, 2, 0. Très bien. Alors, on passe directement à la lecture. Lecture. Alors, les enfants, je vais vous poser une question qui se rappelle du dernier son qu'on avait vu. Alors, c'était le son. C'était la lettre G. C'était la lettre G. Alors, je vais vous mettre là. Alors, la lettre G. Alors, la lettre G, je vais l'écrire avec les voyelles ou bien les consonnes. La lettre G, c'est une consonne. Alors, on va l'écrire avec les consonnes. Alors, j'écris la lettre G ici. Et G. G en script et G en cursive. G avec A, c'est GA. Je vais écrire la lettre G. G avec A, c'est GA. G avec I, est-ce que j'entends le son G? Non, alors j'entends le son J. Alors je vais l'écrire là. G avec I, c'est J. J'entends pas le son G, j'entends le son J. Alors je vais mettre un tiret ici parce que j'entends pas le son G. Et je vais mettre un tiret ici parce que je n'entends pas le son je. Alors c'est G avec A, c'est GA. Et G avec I, c'est J. Maintenant G avec O, c'est GO. Alors je vais l'écrire ici. G avec O, c'est GO. Et je vais mettre un tiret ici parce que je n'entends pas le son G. Maintenant G avec U, c'est GU. Alors, je vais écrire ici la syllabe U. G avec U, c'est GU. Et je mets un tiret ici parce que je n'entends pas le son JE. Maintenant, G avec U, c'est GOU. G avec U, c'est GOU. Et je mets un tiret là parce que je n'entends pas le son JE. Maintenant, G avec E, c'est... Est-ce que c'est gueux, les enfants? Non, c'est je. Alors, G avec E, c'est je. Et j'écris je ici, et je mets un tiret là, parce que je n'entends pas le son que. La même chose pour G avec E, c'est G. Alors, G avec E, c'est G. Et je mets un tiret là parce que je n'entends pas le son G. Maintenant, je répète. Alors, G avec A, c'est GA. G avec O, c'est GO. G avec U, c'est GU. G avec OU, c'est GOU. G avec I, c'est J. G avec E, c'est JE. G avec E, c'est G. Très bien. Alors, le dernier son qu'on avait vu, plutôt la dernière lettre qu'on avait vue, c'était la lettre G. Alors aujourd'hui, on va voir une nouvelle lettre.
Alors, regardez les enfants, regardez là, on va voir les images. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Hein? C'est un petit garçon. Hein? C'est un garçon. Il s'appelle comment ce garçon? On va essayer de prendre l'étiquette et on essaie de lire le mot ensemble. Alors, la première syllabe c'est A.